Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich semblaient pratiquer un autre sport ce soir, tant ce match a été fantastique, tant ce match a fait vibrer, peu importe si on est supporter du PSG, du Bayern ou d'un autre club, ou tout simplement qu'on aime le football. Félicitations au Paris Saint-Germain, bravo aux Parisiens pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, victoire. Donc défaite 1-0 face au Bayern Munich, mais donc les Parisiens se qualifient pour leur deuxième demi-finale de suite en Champions League. Ça n'est jamais arrivé pour un club français. 10 tirs à 14. Il n'y a pas une domination du Bayern comme au match aller. J'ai même envie de dire que finalement, les plus grosses occasions, c'est le PSG qui les a eues et c'est le PSG qui perd, même s'il se qualifie. Alors qu'à l'aller, les plus grosses occasions, c'est le Bayern qui les a. Et donc, le Bayern perd. Donc finalement, les équipes qui ont les plus grosses occasions, pas forcément celles qui gagnent. Mais donc, félicitations au PSG qui donc se qualifie, je pense, avec beaucoup de caractère pour les demi-finales de la Ligue des Champions. À voir aussi le tirage qu'auront les Parisiens. Quelle équipe affronteront les Parisiens. Dans l'autre match, il me semble que Porto s'est imposé 1-0 face à Chelsea, mais donc élimination de Porto. Chelsea se qualifie. Félicitations aux Parisiens, puisque ben voilà, éliminer la meilleure équipe du monde, si ce n'est certainement la meilleure équipe d'Europe, donc la meilleure équipe du monde. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain avec beaucoup de caractère, surtout une équipe qui a bien évolué sur les occasions qu'ils ont eues. Malheureusement, Neymar n'a pas été adroit, et c'est ce que je pense a péché et ce qui a fait surtout mettre le feu jusqu'au bout. Pour cela aussi que le Bayern y a cru vraiment jusqu'au bout. J'ai envie de dire que Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria pardon, et Draxler, bref, des qualités offensives à n'absolument pas remettre en question. Quand vous voyez la qualité offensive de cette équipe, c'est absolument fantastique. L'autre match que j'ai énormément aimé, c'est Gay, qui a là aussi fait encore un match fantastique au milieu de terrain. Verratti n'est pas rentré, hein. Avec aussi la rentrée de Moïse Kean, l'ancien bien connu en fin de match. Il n'a pas forcément énormément impacté le match, pas énormément apporté. Il a loupé quelques petites choses plutôt simples, Moïse Kean, en espérant le voir au niveau, en tout cas dans les demi-finales, comme il l'a été au Camp Nou. Face au FC Barcelone, là aussi, Navas a sorti les parades et le caractère qu'il fallait. Colin Dagba a énormément souffert face à Kingsley Coman. C'était attendu au vu du fait que Florenzi n'était pas titulaire. C'était donc Dagba qui jouait. Il a énormément souffert, mais il a tenu le jeune Titi parisien. Et donc, pour qualifier donc le Paris Saint-Germain. Du côté du Bayern, bah finalement voilà, les énormes absences pèsent puisque bah il y avait très peu de bancs. Le jeune Moussiala est rentré. Quand vous voyez qu'il y a aucune pointe, aucun attaquant, bah forcément c'est compliqué puisque Choupo-Moting est sorti, rentré de Ravi Martinez qui est un milieu à base défensive pour aider au niveau du jeu de tête. Rien que penser que Lewandowski, Gnabry ou encore Douglas Costa étaient absents. Malheureusement, c'est ce qui, je pense, a aussi conditionné un petit peu la performance du Bayern, qui a cru, qui a tenté jusqu'au bout, qui en fin de match, 5 dernières minutes, a été totalement en faveur du Bayern. Ça a tenté, a tenté, a tenté. Il y avait 15 000 joueurs du Bayern dans la surface. On a l'impression qu'à droite, à gauche, au centre, il y avait un joueur du Bayern, mais au final. Donc, bravo aux Parisiens pour cette qualification. Donc le Bayern, tenant du titre, ne jouera donc pas et ne défendra donc pas son titre en jeu. Dites-moi dans les commentaires votre MVP de ce match. Malgré tout, je vais quand même mettre Neymar qui a loupé énormément d'occasions. Et je pense que si le Bayern se serait qualifié, le pauvre Brésilien aurait pris très très cher trois poteaux avec des énormes occasions. Bref, le PSG a manqué quand même globalement de lucidité face au but, et j'espère qu'ils trouveront la faille dans les demi-finales, puisque évidemment en Champions League, et on l'a vu, poteau Neymar, Choupo-Moting qui marque en Ligue des Champions, vous êtes très très vite puni. Je disais, je pense que mon MVP du match sera Neymar. Match fantastique techniquement parlant du Brésilien. Toute personne qui aime le football est obligée d'aimer ce que veut proposer, ce que peut proposer le Brésilien. Mais en tout cas, l'armada offensive du Paris Saint-Germain n'est évidemment pas à remettre en question. Comme j'ai dit, j'ai énormément aussi aimé le match du milieu de terrain parisien. Du côté du Bayern, a noté très très bonne prestation, surtout en seconde période.
de Lucas Hernandez qui a été fantastique. Voilà, il a empêché Neymar de marquer des gestes toujours fabuleux. Le petit dernier geste qui a fait que le Bayern est resté dans le match, notamment aussi en fin de match, il arrive à tenir Mbappé sur la course, sur le fait aussi que le PSG n'a malheureusement pas tué le match pour eux, mais évidemment la qualification juste derrière. Heureusement pour donc les Parisiens. Le Bayern éliminé, le PSG qualifié, Porto qui a gagné, mais Porto qui est éliminé, c'est donc Chelsea qui est qualifié. Voici un petit peu le résumé que j'avais envie de faire sur ce match-là. Donc belle victoire, belle qualification, pardon, je dis victoire, mais belle qualification du PSG, malgré la défaite dans la souffrance, mais c'était attendu. Malgré tout, le PSG a globalement eu les plus grosses occasions, et là, ça réfléchir et se dire que le PSG a de grosses grosses chances cette saison d'aller remporter cette Champions League. Évidemment, ça se joue aussi dans la tête, et c'est ce qui a fait que le PSG lors des dernières saisons n'a pas été au rendez-vous en Champions League. Mais l'armada offensive du Paris Saint-Germain n'est absolument pas à remettre en question. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Le PSG se qualifie, Chelsea est aussi qualifié. Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Final à finir, forza Juve.